doy la bienvenida a la colega y amiga Judith Rodel. Judith, ¿qué es lo que te motiva a venir a la Argentina desde ya hace tantos años? Oui, je crois que c'est la septième fois que je viens cette année, depuis 2005. Aujourd'hui, c'est les amitiés, c'est les collègues, c'est le travail commun avec toi ou avec d'autres. La première fois en 2005, c'était deux choses. Un intérêt pour ce qui se passait ici et plus généralement dans le continent latino-américain. C'était les années d'après la crise économique. Et c'est vrai que de l'Europe, on ne comprenait pas ce qui se passait et qu'on avait l'impression que se jouait en Argentine et ailleurs, par exemple au Brésil aussi au même moment, ou un peu plus tard en Bolivie, des choses qui pouvaient nous servir à nous en Europe. Et c'est vrai que l'évolution qu'on a pu voir, ou que moi j'ai commencé à comprendre peu à peu avec les amis argentins, entre 2005 et puis... Et puis aujourd'hui, puisque ça fait plus de 10 ans, a été pour nous importante. La deuxième chose, elle est aussi une idée qu'on a partagée à plusieurs, et c'est vraiment, je pense, un élément de génération, et qui est que travailler sur la philosophie française ou la philosophie européenne, ce qui est ce sur quoi je travaille, était une chose qui nous faisait courir le risque d'un enfermement dans l'auto-référentialité européenne. Et que du coup, confronter ce travail sur la pensée européenne avec des manières de penser cette pensée européenne ailleurs qu'en Europe, par exemple en Argentine, c'était pour nous essentiel. C'était comme une respiration. Et cette respiration, je l'ai trouvée très essentiellement en Argentine. Oui. Bueno, justamente estamos hoy reunidos aquí para hablar de nuestros trabajos, de ese trabajo en común que acabas de mencionar. Y yo creo que uno de esos comunes denominadores que tenemos particularmente es la filosofía francesa contemporánea, la filosofía francesa que se desarrolla luego de la segunda posguerra y dentro de ella, muy especialmente, la de Michel Foucault. Y podría decir que además de ese gran tema de la filosofía francesa contemporánea, dentro de ella Foucault para nosotros dos, para nuestros trabajos y para nuestras formaciones y nuestras acciones, es quien ha ejercido uno de los ascendentes más importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría saber cómo fue que vos llegaste a Foucault, cómo descubriste a Foucault, qué es lo que te llevó a su obra y qué es lo que hizo que tuviera una influencia tan fuerte, una marca tan fuerte en vos y en tu trabajo. Oh, c'est souvent des rencontres qui sont des rencontres dues au hasard. Dans mon cas, et pas seulement dans mon cas, mais dans le cas de toute une génération de Foucaldiens de mon âge, des gens qui ont entre 45 et 50 ans, c'est passé essentiellement par des professeurs et par un professeur en particulier que je veux mentionner parce que la dette est énorme, qui est Pierre Macheret, qui est le premier à avoir organisé un séminaire sur Foucault en 87 à la Sorbonne. Foucault était mort depuis 3 ans. Moi, je me destinais à faire de la philosophie des mathématiques, donc ça n'a rien à voir. Et le séminaire de Macheret a été une sorte de révélation. Et ça m'a amené à lire les textes. En réalité, je n'ai pas eu la révélation sur les textes, j'ai eu la révélation sur un passeur, la figure d'un passeur enseignant qui était Macheret. Ce qui est une des raisons pour lesquelles moi j'ai tellement j'accorde tellement d'importance à l'activité de l'enseignement. Je pense qu'on a des activités de transmission et d'ouverture sur des textes, et ça me vient de cette expérience première. Alors je crois que le premier choc pour moi dans la lecture de Foucault, ça a été essentiellement le travail de Foucault qui est peu connu en France, qui commence à être connu, qui est mieux connu ailleurs, le travail de Foucault sur la langue, sur le langage, sur la linguistique et sur les textes littéraires. Et ce que j'y voyais, c'était pas tant de la philosophie de la littérature ou de la philosophie du langage, c'était la tentative de dire un ordre du pouvoir qui passait par la manière de parler et par l'ordre du langage lui-même, l'ordre du discours. Mais c'était une manière de dire aussi qu'on pouvait résister au pouvoir par un retravail, une réappropriation de la manière dont on parlait. Et c'est ce qu'il essayait de montrer sur des cas littéraires qui l'ont intéressé. C'était Raymond Roussel, qui est connu, il lui a consacré un livre en 1963, qui est un livre magnifique. Mais c'était aussi des cas littéraires dont il s'occupait, qui étaient moins connus, par exemple, quand il écrivait sur Brisset, quand il écrivait sur Wolfson, quand il écrivait sur Artaud. Et à l'époque, tous ces textes étaient encore peu repris ou pas publiés. Donc ça a comporté pour moi, par exemple, aller voir les textes dans la matérialité documentaire de ces papiers qui n'étaient pas encore édités, ce qui était fascinant parce que les philosophes ont peu rapport avec les archives. Et puis c'était cette idée que parler, c'est à la fois un exercice de pouvoir et un exercice de résistance. Donc c'était déjà parler de la question du pouvoir. Voilà. Bueno, en mi caso, yo tengo que decirte que
el descubrimiento de Foucault, que fue realmente un impacto, ocurrió en una época parecida, creo que en los mismos años, porque además somos de la misma, sí, la misma generación. Y esto ocurrió sobre todo cuando ingresé a la Universidad de Buenos Aires. Una de las primeras materias que hago es Introducción al Pensamiento Científico, y la materia estaba totalmente orientada al planteo que Foucault hace sobre todo en Las palabras y las cosas. No se limitaba solo a esto, también había otros autores, otras perspectivas que estaban convocadas a la materia. Esta materia, y también voy a decir el nombre, era una materia que estaba a cargo de la profesora Esther Díaz, que fue una de las responsables de la difusión de Foucault en la Argentina y de la que yo aprendí también mucho. Así que debo a Esther ese descubrimiento. Y fue realmente una revelación. Foucault, como decimos por estas latitudes, me partió la cabeza. Cuando comencé a descubrirlo a través de las referencias que tenía en esta materia, me acerqué directamente a sus libros más importantes, y entre, esto ocurrió en el 86, y entre el 86 y el 89 leí todos los libros publicados de Foucault, que acá no eran pocos, eran todos los libros que circulaban sobre Foucault, y que realmente me llevó a leer esos libros en muy poco tiempo. Recuerdo uno de los primeros que leí fue La verdad y las formas jurídicas, que lo leí en una noche. Luego vinieron otros que leía durante una semana, como Vigilar y Castigar. Y realmente creo que eso marcó también la lectura que nuestra generación tuvo de Foucault. No sé si fue exactamente la misma en tu caso, pero nuestra generación, creo, pasó primero por una lectura de sus libros, luego de sus artículos y conferencias, y finalmente de sus cursos. Y lo que yo puedo ver es que hoy en día, con los estudiantes que tenemos, con la gente que trabajamos, más jóvenes, de generaciones más jóvenes, es que el camino para acercarse a Foucault es diferente. Muchas veces comienza por los cursos, luego pasa por artículos o conferencias, y finalmente termina en los libros, o los mezcla de una manera más desordenada. No sé cómo fue en tu caso. Je pense que c'était un peu différent parce que la génération qui avait connu Foucault, qui n'est pas la mienne, et qui a créé le centre Foucault, auquel maintenant j'appartiens depuis 25 ans, cette génération-là avait lu Foucault et les livres de Foucault au moment où ils sortaient. Ma génération à moi est une génération qui a, à la fin des années 80, été envoyée, littéralement travaillée, au fond Foucault, qui n'était pas encore un fond construit, c'est-à-dire qu'on avait affaire à des documents papier qui devaient être archivés et qui allaient donner plus tard, en 1994, les 4 volumes publiés par Gallimard de ce qu'on appelle les 10 écrits, c'est-à-dire l'ensemble de la production de Foucault hors livre des textes publiés du vivant de Foucault, mais partout dans le monde, et on avait près de 4000 pages. Et avant d'avoir cette publication des 4000 pages de Foucault dans les 4 volumes, un certain nombre d'entre nous, Guillaume Leblanc par exemple, pour ne citer que lui, Bruno Carsanti, moi, et puis plus tard Frédéric Gros, on s'est retrouvés avec cette énorme quantité de documentaires, et ça signifiait pour nous deux choses. La première, c'est que faire de la philosophie, ça avait toujours à voir avec de la matérialité. C'était la matérialité des traces, c'était la matérialité des documents, c'était les conditions d'écriture ou de prononciation d'adresse des cours. On a vu arriver les cours en cassette magnétophone, et il fallait composer les cours à partir des cassettes. Enfin, c'était très, très passionnant. Donc c'était une idée de la philosophie qui était liée à quelque chose comme une lourdeur du document. Et c'est une chose qui, moi, m'a nourrie, parce que je travaille aujourd'hui beaucoup avec des archivistes et des bibliothécaires sur le thème de l'archive dans la philosophie contemporaine. Et c'est Foucault, mais c'est aussi Derrida, mais c'est aussi Rancière et d'autres encore. Et je pense que ça me vient de là, de cette première expérience de la matérialité documentaire de la pensée. La pensée, c'est jamais un truc qui volage et volatile et qui flotterait au-dessus de nous. La pensée, c'est toujours des conditions matérielles de production, voilà, et de réception. La deuxième chose qui est un petit peu différente par rapport à ce que tu racontes, c'est que, du coup, on a lu ces textes-là, et ces textes-là nous ont renvoyés, pour ainsi dire, au livre qu'on a saisi à partir de ce qui allait devenir les 10 écrits. Donc on est remonté des 10 écrits au livre. La génération suivante, qui est celle de mes étudiants, qui sont les gens qui ont entre 30 et 35 ans, et certains sont absolument formidables, et la génération qui a eu accès à Foucault par les cours. Et des cours, ils sont remontés au livre. Et puis il y a une
générations successives encore, qui est la génération des gens qui ont maintenant 20, 25 ans et qui commencent à faire de la recherche. Et cela remonte au livre de Foucault par ce qu'on appelle les inédits, c'est-à-dire l'énorme masse des 38 000 papiers que Foucault a laissés derrière soi et qui ont été achetés par la Bibliothèque nationale de France en 2013. Et donc, on a un chemin encore différent. Alors, une des questions qui, moi, m'intéresse, qui est une question sur laquelle on pourrait discuter, mais que je mentionne ici, c'est que Foucault a toujours été extraordinairement critique à l'égard de la notion d'auteur. Il ne cesse de répéter qu'il ne veut pas être un auteur et qu'il ne veut pas composer une œuvre. Alors, on sait qu'il a laissé un testament, pas d'œuvre posthume, qui est depuis longtemps dépassée, puisqu'on ne cesse de publier depuis des années, désormais, ses travaux posthumes. Et en même temps, même si on publie les écrits posthumes, même si on publie les inédits, ce qui est aujourd'hui le cas, tout le monde fait ça, et je le fais aussi, parce que c'est nécessaire pour la recherche, il me semble que là où il ne fait pas œuvre, et là où il n'est pas un auteur, c'est qu'il est paradoxalement non pas la source, le principe ou la cause d'un corpus unitaire, mais qu'il est littéralement construit par son corpus. Il y a un Foucault construit par le corpus des livres, il y a un Foucault construit par le corpus des textes variés, les dits et écrits, qui permettent de requalifier les livres et qui dessinent un Foucault assez différent. Mmh. Et puis il y a un Foucault construit par les cours, puis les textes épars, puis les livres, et aujourd'hui il y a un Foucault construit par les inédits, puis par etc. etc. On a donc une sorte de stratification qui produit l'auteur. On renverse le rapport entre la production et l'auteur. Voilà. Esos objetos que nos fascinaron en un primer momento de estas cuestiones, vos ya mencionaste algunas que se mantienen, como tu preocupación por la historia y la temporalidad. ¿Hay algunas otras que hoy en día han aparecido y que en ese momento no estaban? ¿Las cambiaron por completo? ¿Siguen siendo las mismas? ¿Son otras? Oui, je pense qu'il y a une chose, par exemple, dans ce que tu as dit, qui est une chose qui aujourd'hui me semble extrêmement importante, et qui est que la critique radicale dans la pensée française à partir de 1945 et surtout à partir des années 60, la critique radicale est d'une certaine histoire qui était une histoire linéaire, continue, téléologique, très souvent dialectique, qui était le modèle dominant, une sorte de néo-hégélianisme qui était dominant dans l'université en France à l'époque. Cette critique, qui était aussi la critique du sujet auto-donné, non historique, auto-constitué, de volonté, de raison, de décision, etc., etc., quelque chose comme un sujet cartésien ou un sujet kantien. Cette double critique-là, elle a donné dans la pensée française, parce que ça existe aussi, et c'est très intéressant, un certain nombre de pensées qui ont décidé de penser sans l'histoire et sans les sujets. Et finalement, qu'est-ce que c'est le structuralisme, qui ne concerne pas que la philosophie? C'est une tentative méthodologique de décrire des effets de structure qui n'ont pas besoin de sujets et qui n'ont pas besoin de l'histoire, puisque les structures sont ce qui permet précisément l'appréhension de l'histoire. C'est ce qui traverse l'histoire, mais la structure elle-même n'est pas historique. Et la question qui, moi, me semble aujourd'hui intéressante, c'est que chez Foucault, il y a eu probablement une fascination pour le structuralisme. Il le dit, j'ai une certaine communauté de méthodes au début des années 60. Et puis très rapidement, il s'en détache. Et il s'en détache parce qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, réintroduire l'histoire, mais une autre pensée de l'histoire. Et il faut réintroduire du sujet, mais pas le sujet, comme dit Foucault, de Descartes à la phénoménologie. Il faut réintroduire ce qu'il va appeler les subjectivités, et qui sont des constructions historiques et qui se pensent elles-mêmes comme des effets de l'histoire et non pas comme des acteurs de l'histoire, en tout cas pas seulement comme des acteurs de l'histoire. Alors, cette question-là, moi, m'apparaît depuis une grosse quinzaine d'années extrêmement centrale, parce qu'elle permet de lire la pensée contemporaine de manière différente. Par exemple, ça permet de lire de manière différenciée quelqu'un comme Foucault et quelqu'un comme Deleuze, alors qu'on les associe très souvent, et à juste titre, parce qu'ils sont très proches et que par ailleurs il y a des points de rencontre. Et donc ça permet une autre lecture de la pensée contemporaine. La deuxième chose, mais je ne veux pas monopoliser la parole, c'est que si on suit le discours de Foucault, c'est-à-dire si on comprend réellement ce qu'il nous dit,
il faut toujours faire l'histoire des manières de penser, des manières d'agir, des manières de se rapporter à soi-même et aux autres, etc. etc. Cette question, elle amène inéluctablement de la question de l'historicisation des formes de pensée et d'action à la question du présent. Parce que la question de Foucault, c'est quel est notre propre système de détermination? Quel est ce système qui fait que nous parlons comme nous parlons maintenant, toi et moi? À partir de quel partage nous parlons? Et puis aussi, à partir de quel partage, ce qu'il appelle des partages, c'est-à-dire des grandes divisions qui soutiennent la manière dont nous référons au monde et dont nous nous référons à nous-mêmes, à partir de quel partage nous concevons notre propre présent et nous nous concevons nous-mêmes dans notre monde. Et ça, c'est une question qui est un peu le point aveugle de la philosophie, c'est aussi un peu le point aveugle d'autres disciplines, par exemple la sociologie, et je sais que tu es aussi sociologue, je ne le suis pas. Quelle est ma position, moi, aujourd'hui, au moment où je parle et où j'agis, et quel est ce présent sur lequel je suis planté ou qui me soutient et à partir duquel je parle? Et je pense que la question de Foucault, elle était de savoir si ce présent auquel il appartenait, en gros entre les années 60, 61, Histoire de la folie, et 84, le moment de sa mort, est-ce que ce présent est encore totalement, ou en partie, ou plus du tout, un écho prolongé de la modernité? Et je pense que cette question, elle est encore plus importante aujourd'hui pour nous en 2016, parce que le temps a passé, que plus de 30 ans ont passé, 32 ans depuis sa mort, et la question de savoir s'il reste du moderne dans les manières dont nous gouvernons les hommes et les femmes, dans les manières dont nous sommes gouvernés entre hommes, en tant qu'hommes et femmes, dans la manière dont nous construisons des rapports à nous-mêmes et aux autres, qu'est-ce qui reste de la modernité dans ces rapports-là, me semble une question qui est philosophiquement, mais aussi politiquement extraordinairement importante, mais aussi extraordinairement difficile. Moi, j'ai toujours eu du mal avec la postmodernité, avec l'étiquette postmodernité, parce que c'est trop simple. Post, c'est après. Il n'y a plus de modernité, c'est fini. Exit la modernité. Maintenant, on est dans le post-moderne. Ah ben non, mais c'est trop facile. Dites-moi ce qui reste de la modernité, parce que l'histoire ne fonctionne pas sur des stratégies de remplacement ou de succession. Ça, c'est de l'histoire linéaire où on colle des étiquettes les unes après les autres. Il reste toujours extraordinairement des phénomènes de permanence, de résurgence, et aussi des phénomènes de différence, de distorsion et aussi d'émergence de nouveautés, et c'est ça qu'il faut analyser. Cette question-là, elle a un nom chez Foucault, et c'est une question qui nomme doublement, en insistant sur les différences, il dit c'est la question de la discontinuité en histoire. Et en insistant sur ce qui reste et ce qui est requalifié par la nouveauté, mais qui reste, mais qui est requalifié, il dit c'est la question de la transition, c'est la question du changement et c'est la question de la métamorphose. Puesto que hemos comenzado a hacer este contrapunto entre un primer momento de descubrimiento de Foucault y nuestros trabajos actuales sobre él, con todo lo que ha ocurrido en el medio, antes de proseguir en ya metiéndonos de lleno en la obra de Foucault, en sus ejes fundamentales, algo que me gustaría decir, y sobre esto te quiero hacer una pregunta, es que Foucault, en mi opinión, constituye una de las cabezas más lúcidas y brillantes de los últimos tiempos, de la historia del pensamiento, de la historia de la filosofía, que al mismo tiempo constituyó un gran éxito editorial, aún en su vida, y lo sigue siendo aún luego de su muerte, pasadas tres décadas, y en particular en América Latina, que constituye uno de los focos de producción, no solo, bueno, quiero decir, de recepción, de interpretación, pero de producción de trabajos de Foucault en el mundo. Si vos tuvieras que presentar rápidamente a Foucault a través de su obra, a través de su producción, de su obra entre comillas, ¿no? Porque esta cuestión de la obra entre comillas está ligada a la crítica que vos señalabas a la noción de autor, ¿no? Autor, comentario y obra. ¿Qué recomendarías para leer? ¿Cuáles serían, no sé, si pongamos por número tres producciones de Foucault para alguien que no conoce a Foucault y que se quiere acercar a él, ¿qué sugerirías? Mais c'est une question à 100 000 dollars.
No voy a poder pagar. C'est compliqué parce qu'en plus, on n'en a jamais fini. C'est-à-dire qu'actuellement, je suis en train de travailler sur les inédits. C'est 38 000 pages et on commence à peine à regarder les boîtes. C'est vraiment des boîtes au sens physique et c'est une découverte permanente. Trois textes, mais vraiment trois textes de manière subjective parce qu'ils sont magnifiques. Quatre, je crois. Si tu me permets le quatrième aussi. Le premier, c'est un texte qui s'appelle « La vie des hommes infâmes », qui est un texte de 1977 et qui est un texte qui est à la fois philosophique, politique et littéraire, écrit comme un texte littéraire, sur l'émotion et le plaisir que Foucault a à aller regarder les boîtes d'archives dont il s'occupe. Et en réalité, ce texte raconte la manière dont, quand on regarde ces documents d'archives, qui sont vraiment des enregistrements, des rapports de police, des enregistrements administratifs, des lettres de cachet, donc des choses très, très, très banales, qui documentent le quotidien des petites gens soumis au pouvoir ou qui rencontrent le pouvoir dans ses multiples aspects à la fin du XVIIIe siècle. Foucault, lorsqu'il raconte ça, dit aussi que ces grumeaux, ces morceaux de vie qui sont exhumés par les archives nous renvoient en permanence à notre propre rapport au rapport de pouvoir. C'est-à-dire la manière dont les rapports de pouvoir nous traversent, impactent nos vies, redéfinissent nos vies. Ce qu'il raconte, c'est que l'émotion qu'il a à lire ces documents d'archives est due au fait que ce sont des vies qui sortent des boîtes d'archives et que ces vies nous renvoient à notre vie, à nos vies aujourd'hui. Et il y a cette espèce de circularité. On passe par le rapport à l'histoire pour revenir au présent à une description qui est une description que nous devons faire de ce qui est aujourd'hui notre actualité en termes de rapport de pouvoir et de résistance à ces rapports de pouvoir. Je le signale parce que c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Dans les mêmes années, là le texte est de 77, on a exactement le même type de discours dans la revue que fait Jacques Rancière, Les révoltes logiques à partir de 1975, où l'utilisation du rapport à l'histoire et en particulier du rapport aux archives, est en réalité explicitement revendiqué comme un instrument pour poser la question du politique et des rapports de pouvoir aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est absolument extraordinaire, parce que c'est une stratégie pour revenir au présent et revenir au discours politique. Alors ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, on parle toujours de pouvoir, c'est un texte qui a été publié en 1982 qui s'appelle « Le sujet et le pouvoir » et qui est un appendice à un livre qu'avaient fait deux collègues de Foucault avec lesquels Foucault avait travaillé à Berkeley, qui sont Hubert Dreyfus et Paul Rabineau, philosophe et un anthropologue. Et dans Le sujet et pouvoir, Foucault dit ce qu'il ne cesse de dire pendant des années, mais il le dit plus clairement, donc il faut lire ce texte, et qui est « Nous sommes toujours indissociablement, et c'est ça qui est intéressant, indissociablement, et nous n'avons pas le choix, et nous ne pouvons pas sortir de là, construits par le pouvoir, donc nous sommes produits par des discours, par des pratiques, par des institutions qui nous constituent en tant que tels, tels que nous sommes, et en même temps, nous pouvons aussi nous constituer nous-mêmes. Nous n'avons pas le choix entre être déterminés et être libres. Nous sommes à la fois toujours déterminés et libres. Et c'est ça qui est compliqué, c'est de penser cet entrecroisement-là. Nous sommes sujets parce que nous sommes objets du pouvoir et nous sommes sujets parce que nous sommes résistants au pouvoir. Mais on n'a pas l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un. Et puis le troisième, qui est un texte magnifique sur la manière dont la philosophie découvre la question du présent et de l'actualité, c'est très étrangement un commentaire que Foucault fait du texte de Kant, Was ist Aufklärung, Qu'est-ce que les Lumières, 1784. Et ça commence comme un cours de philosophie ou d'histoire de la philosophie, donc c'est un commentaire kantien très, très, très parfait, très savant, etc. Et puis ça bifurque, et ça bifurque sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au présent quand on est un philosophe. Qu'est-ce que c'est qu'une philosophie qui serait un militantisme? Qu'est-ce que c'est qu'une philosophie qui serait un journalisme? Qu'est-ce que c'est qu'une philosophie qui chercherait à, et les termes qu'il utilise sont extraordinaires, expérimenter, introduire de la différence, tordre le présent, détourner les déterminations, jouer avec ce que l'on a et qu'on n'a pas choisi et qu'on ne peut pas éviter, et en même temps développer des stratégies au cœur du présent. Donc voilà, de Kant à ce qu'il appelle à la fin la révolution. Decía Judith qu'il y a un quarto texto también, o me equivoco? Oui, non, il y avait un quatrième et j'avais oublié, et il est très important. C'est un texte très court que Foucault publie dans Le Monde,
le journal Le Monde. Et souvent, les textes journalistiques sont extraordinairement importants. Et il le publie au moment où, après avoir fait une série de reportages au moment de la révolution iranienne, donc entre la fin 78 et le début 79, à la fois pour le Nouvel Observateur en France et pour Il Corriere della Sera en Italie, la révolution, qui est une révolution contre le Shah, accouche littéralement de ce qu'on connaît, c'est-à-dire le régime des imams, une théocratie, et Foucault est attaqué. Et il est attaqué au nom de ce qu'on appelle l'habituelle inconséquence des intellectuels parisiens qui racontent des choses depuis leur salon et qui ne se rendent pas compte des horreurs qu'ils soutiennent. Donc on attaque Foucault, et Foucault répond en trois pages très rapidement, en trois colonnes, très rapidement dans le Monde, par un texte qui s'appelle « Inutile de se soulever, point d'interrogation ». Et ce texte est un texte sur la nécessité pour un intellectuel, et probablement pour tout homme ou femme qui exerce sa pensée critique, il n'y a pas de statut des philosophes plus que les autres, de soutenir toujours les hommes là où ils se révoltent contre l'injustice. Là où la liberté se dresse, dit Foucault, est-ce que vous auriez le courage de dire « il ne faut pas soutenir cette liberté qui se dresse ». Et la question du soulèvement est une question absolument essentielle, et Foucault la décroche littéralement de la question du pouvoir constitué qui va effectivement naître de ce soulèvement, et le pouvoir qui va se constituer sur ce soulèvement initial, qui est un soulèvement populaire, qui est un soulèvement par le bas, qui est un soulèvement révolutionnaire, ça va être effectivement une théocratie. Alors, c'est une question qui pour moi est importante, parce que c'est la question de la manière dont on transforme ou pas, politiquement, le moment de la révolte, le moment de l'indignation, le moment du « ça suffit, c'est plus possible », le moment des vies qui se dressent contre le pouvoir en des formes d'expérimentation et d'organisation de ces vies qui se dressent. Parce que c'est bien le mouvement du soulèvement, mais il faut aussi faire quelque chose avec le soulèvement. Et c'est tout le problème de l'institution du politique qui me semble être aujourd'hui encore une question essentielle. Et c'est une question sur laquelle moi j'ai beaucoup appris, par exemple, en Amérique latine, où l'expression des mouvements me semble avoir été fondamental depuis 25-30 ans, alors qu'ils ont été, ces mouvements, infiniment moins importants en Europe. Donc alors moi, je veux savoir tes textes à toi. On retourne le jeu et dis-moi quels sont les trois ou les quatre textes qui ont compté pour toi. Bueno, lo primero que te diría es, o el primero que elegiría, es uno de los primeros textos que yo leí de Foucault y que me impactó, que me abrió la puerta a sus grandes investigaciones de los años 1970, y es La verdad y las formas jurídicas. Un texto que recoge las conferencias que Foucault da en mayo de 1973 en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, invitado, y donde él presenta el trabajo en curso que tiene sus dos grandes genealogías, la genealogía sobre la prisión o de la prisión y de las prácticas de control y de la sociedad normalizadora, y ligado a esto, pero desprendiéndose y demarcándose de ella, la del dispositivo de sexualidad, del sexo y la sexualidad. Creo que es una buena puerta de entrada a estos grandes trabajos de Foucault, sin tener que abordarlos de primera mano, aunque también me parecerían fabulosos como textos, pero es un texto amigable. Y por otro lado, creo que La verdad y las formas jurídicas expone las preocupaciones centrales de Foucault en términos de verdad, y lo pongo en primer término, verdad, subjetividad, un sujeto, y luego poder. Y allí hay un momento muy particular como es la lectura que él hace del Edipo, sobre la que luego me gustaría volver, porque me parece que es ilustrativa de los objetivos, de los propósitos que yo encuentro en la producción foucaultiana. Entonces, ese sería uno, texto amigable, texto fundamental, que abre el camino a un momento clave de la vida de Foucault, de su trabajo y de sus investigaciones de los años 70. El segundo, que está ligado a este momento y a ese texto, es el primer curso que él da en el Colegio de Francia, ¿no? Esa gran institución académica de Francia a la que todo intelectual pretende ingresar, o bueno, o muchos. El curso inaugural del 70-71, que me parece constituye una pieza clave en la obra de Foucault, en la producción foucaultiana, en la medida en que Foucault hace un alto en el camino
hace una mirada retrospectiva hacia todo lo que ha trabajado hasta el momento y lanza sus investigaciones que va a desarrollar en los años por venir hasta su muerte en el 84. Por otro lado, allí me parece que plantea muy claramente algunas coordenadas, inclusive filosóficas, que muestran claramente qué pretende hacer Foucault, qué nos pretende decir, la contraposición paradigma aristotélico-paradigma nietzscheano, la producción de la verdad ligada al paradigma de los sofistas, y luego la lectura que hace claramente de la tragedia de Edipo Rey. Yo creo que ese curso también es un curso que me gustaría recomendar porque constituye un punto clave dentro de la obra de Foucault y articula el pasado y el porvenir. Pero no nos olvidemos, y justo con este curso recomiendo, la primera lección, que se publica inmediatamente después de ser pronunciada y que es El orden del discurso. Texto complejo. Texto difícil, texto sumamente denso, pero muy rico. Uno de los mejores textos, creo, de Foucault que integra ese curso. Y el otro, digo, acá ya van tres o dos, según como los quieras contar, es el primer tomo de Historia de la Sexualidad. Es La voluntad de saber. Un libro que me parece inicia un camino definitivo que Foucault va a dar en su obra respecto de su planteo de la producción de la subjetividad y sobre todo del pasaje de la cuestión del poder al gobierno vía la noción de biopolítica, ¿no? Y allí tenemos probablemente varios libros en uno, porque en La voluntad de saber, que retoma lecciones sobre la voluntad de saber, que retoma el primer curso, que retoma el problema de la verdad, aparece ahora íntimamente ligado al problema del dispositivo de sexualidad y a esa dicotomía que Foucault va a desmontar entre sexo y sexualidad, demostrando que no es que el sexo se encuentre al lado de lo natural y la sexualidad de lo artificial, sino que tanto sexualidad como sexo aparecen del lado de lo construido. No es que el sexo determine una forma particular en cada época histórica y en cada sociedad de vivir la sexualidad, sino que, por el contrario, esa forma de vivir la sexualidad produce algo que se llama el sexo como objeto de conocimiento, pero también como un objeto que atraviesa nuestra cotidianidad. Y me gustaría ahora que pasemos a analizar algunos de los ejes centrales que ya hemos ido mencionando de esa producción de Foucault y que, retomando sus propias palabras, en mi opinión, podríamos señalar como el eje o la genealogía de la subjetividad, del sujeto, de lo humano, el eje del poder y el eje de la verdad. Me parece que estos tres ejes también han marcado el trabajo que se ha hecho sobre Foucault, la interpretación de la obra, pero también han abierto caminos de investigación a partir de Foucault. Dicho esto, yo creo también que es necesario señalar a la hora de pensar a Foucault y de pensar su trabajo que, si bien su obra está marcada por estos tres ejes que él mismo reconoce como tales para pensar retrospectivamente su trabajo, los últimos años de su vida, como modos de veridicción, técnicas de gubernamentalidad y prácticas de sí, por, como vos bien señalaste, una preocupación por el presente. ¿Por qué significa nuestra mirada crítica, la crítica sobre el presente, sobre nuestras condiciones de vida, sobre nuestro mundo aquí y ahora, sobre nuestras condiciones materiales de producción en esa inflexión tan particular entre dominación y libertad, entre poder y libertad? No sé si vos compartís esta visión de la obra de Foucault y si sí, si es así, ¿a qué objetos o a qué investigaciones te ha llevado, ¿no? ¿Qué, en cierto sentido, usos de Foucault pudiste hacer a partir de esta forma de interpretar la obra de Foucault?
Je crois que dans ce que tu dis, par exemple, sur ton intérêt pour la volonté de savoir, quand tu parles de sexe et de sexualité, tu as dit, en réalité, les deux choses sont construites, de l'ordre du construit. On pourrait très bien dire, finalement, Foucault, c'est quoi? C'est quelqu'un qui installe dans la réflexion philosophique cette hypothèse forte que tout est construit et que tout est construit dans l'histoire. C'est-à-dire que tout est toujours l'effet d'un certain nombre de déterminations historiques qui sont elles-mêmes complexes, économiques, sociales, démographiques, épistémiques, culturelles, etc., etc., et que ces déterminations produisent des formes, des nappes, des modes, ça dépend de quoi on parle, qui sont spécifiques et qui sont toujours adossées à quelque chose comme une périodisation, adossées à un moment. Alors si on fait le pari de ce constructivisme absolu de Foucault, rien n'échappe à l'histoire, on est toujours à l'intérieur de quelque chose qui est de l'ordre des déterminations historiques. Alors effectivement, le pouvoir ou les pouvoirs, les rapports de pouvoir, dit-il, parce que le pouvoir ça n'existe pas, c'est pas une entité métaphysique, les rapports de pouvoir correspondent toujours à un moment donné à un certain nombre de dispositifs et à un type de rationalité spécifique. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on identifie cette rationalité, comment est-ce qu'on l'explique et on la déploie. Mais on pourrait dire la même chose et on pourrait dire c'est quoi être un sujet? Qu'est-ce que c'est qu'un sujet politique, par exemple? La réponse que l'on donne est toujours adossée à une périodisation parce que la manière dont on pense les sujets, mais ça vaudrait pour le sujet politique, ça vaudrait pour le sujet éthique, ça vaudrait pour le sujet sexué, ça vaut pour une infinité de domaines. Cette manière d'être du sujet, elle est toujours historiquement déterminée, donc elle est toujours circonscrite et produite à un moment donné. Et pourquoi est-ce que ça émerge à ce moment-là et en quoi ça consiste? Et puis aussi, quand est-ce que ça disparaît éventuellement? Et puis, tu disais le rapport à la vérité, qui est effectivement une question absolument fondamentale, que tu places en premier, mais qu'en réalité, les chercheurs ont tendance à penser en dernier, parce que l'accès au texte a été plus difficile, parce que la publication du cours que tu citais, 70-71, les leçons sur la volonté de savoir, qui est le premier cours de Foucault au Collège de France, mais qui n'est pas le premier à être publié, il a fallu attendre longtemps avant d'y avoir accès. Cette question de la vérité, elle est omniprésente, mais elle signifie que si on dit que la vérité est elle-même une construction historique, alors on n'a pas la vérité, on a ce qu'il appelle des jeux de vérité, c'est-à-dire des manières d'articuler le rapport du vrai et du faux qui change dans l'histoire. Ce qui veut dire aussi que rétrospectivement, on ne peut pas projeter notre propre rapport à la vérité ou notre propre rapport à la forme sujet ou notre propre rapport au rapport de pouvoir en arrière sur la totalité de l'histoire qui se déroule derrière nous, à la fois parce que cette histoire elle n'est pas unitaire, elle n'est pas linéaire et parce que c'est une sorte de projection totalement anachronique à partir du moment présent qui nous caractérise. Alors si je rappelle ça, c'est que la question du présent, c'est quoi? La question du présent, c'est se dire, le présent de Foucault, c'est 1926-1984. Ça, c'est sa vie. Et ce sur quoi il réfléchit, c'est à la fois des moments passés, des périodes passées. Alors, ça va être le 18e, le 17e, Histoire de la folie, le 18e, Les mots et les choses, le 18e, 19e, pour Surveiller et punir ou pour des livres postérieurs, le 19e, beaucoup pour la sexualité. Et puis, ça va être revenir en arrière et ça va être le 1er siècle après Jésus-Christ pour les stoïciens ou des textes plus anciens quand ils s'occupent de Platon, de l'Alcibiade, etc. Ça va être les sophistes, alors ça va être même la Grèce archaïque avant la Grèce classique, etc. Donc, il a des périodisations qui sont extraordinairement différentes. Et en même temps, et j'insiste sur « et en même temps, sa question c'est si j'arrive à dire comment est-ce que les gens pensaient dans ces moments d'histoire qui sont si loin de nous et si différents de nous, par rebond et par différenciation, je vais peut-être réussir à dire comment est-ce qu'on pense aujourd'hui. Par exemple, si j'arrive à dire comment est-ce que s'installe une manière de gouverner les hommes et les femmes et une rationalité de gouvernement qui est caractéristique de l'émergence du libéralisme au tournant du 18e et du 19e siècle, c'est le cours sur la naissance de la biopolitique 78-79 au Collège de France, alors par rebond et par différenciation, je vais pouvoir essayer de penser un certain nombre de phénomènes néolibéraux, et le néolibéralisme, c'est pas la même chose que le libéralisme, et il prend deux exemples qui sont pour nous lointain, mais pour lui pas si lointain que ça au moment où il le fait en 78-79, il prend l'ordolibéralisme allemand
Et il prend le néolibéralisme de l'école de Chicago. Et quand il cite Gary Becker et l'école de Chicago, il cite des textes de la fin des années 60 ou du début des années 70, c'est-à-dire à 10 ans de distance. Donc on est encore dans le présent. Alors, il y a le présent de Foucault. Et alors nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous, on a un autre présent. Nous, on est... Moi, je suis née en 1966. Pour moi, mon présent, c'est 66-2016, et j'espère, je crois que c'est pas très longtemps encore, mais ça veut dire que mon présent à moi ne correspond pas à celui de Foucault, et que mon présent à moi me présente des objets de pensée qui ne pouvaient pas être les objets que Foucault avait devant lui, parce que le temps a changé et que l'histoire se reformule. Alors, je pensais à trois choses. Première chose, qui est une chose qui, moi, me préoccupe beaucoup, m'indigne beaucoup comme personne, mais me sollicite aussi beaucoup comme philosophe, c'est la question des migrants. Foucault n'a pas connu les mouvements migratoires, les flux migratoires tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et je me dis, non pas qu'est-ce qu'il en aurait dit, il ne peut pas en avoir dit grand-chose parce que ce n'était pas son époque, mais est-ce que les instruments qu'il nous laisse sont suffisants ou pas pour essayer de penser ce phénomène qui est un phénomène nouveau dans les termes où ce phénomène se propose, c'est-à-dire cette vague massive qui est particulièrement sensible en Europe, cet afflux massif de migrants aux portes de l'Europe, et surtout ce choix de l'Europe de fermer les portes. Pour le dire très rapidement, Foucault dit, pendant des années et des années, pendant des siècles et des siècles, l'affirmation de la souveraineté de type ancien régime, ça a été, et il le dit résumé dans une formule un peu choc, laisser vivre et faire mourir. La décision du pouvoir souverain, c'était donner la mort. L'indécision du pouvoir souverain, c'était laisser vivre. Et la manière dont il rend compte, c'est le chapitre 5 de la fin de la volonté de savoir, du passage à une gouvernementalité, à une rationalité de gouvernement qui va devenir différente et qui est celle qui caractérise le 18e, 19e siècle et encore aujourd'hui, c'est non plus laisser vivre et faire mourir, mais faire vivre et laisser mourir. Parce que faire vivre les gens, c'est un enjeu politique et un enjeu économique. Et sur ça, il construit toute une analyse. Aujourd'hui, les migrants qui arrivent aux portes de l'Europe et qu'on laisse en dehors de l'Europe, ou qui meurent dans le canal de Sicile, ou qui meurent quelque part dans le désert libyen, ou qui meurent sous les bombes en Syrie, ou qui meurent, etc., 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 ces gens-là, qui ne sont pas des gens au sens anonyme, qui sont des hommes et des femmes et des enfants, c'est-à-dire des personnes comme toi et moi, la politique de gouvernement, on ne peut plus l'expliquer par un faire vivre et laisser mourir, puisqu'on les laisse mourir. Et je me demandais s'il n'y avait pas là quelque chose comme une mutation de la rationalité de gouvernement, une sorte de fracture entre l'époque de Foucault et la nôtre, tu vois comme on bascule, et qui serait aujourd'hui l'idée que pour gouverner, on est obligé d'être dans une troisième formule, ne pas laisser vivre et faire mourir. Alors ça, c'est un exemple. Très très rapidement, beaucoup plus rapidement, sur la question des sujets, aujourd'hui, on voit émerger des sujets nouveaux qui ne sont plus analysables dans les termes de la modernité. C'est quoi le sujet qui s'exprime au moment des printemps arabes en 2011? C'est quoi le sujet qui s'exprime à Gezi Park en Turquie? C'est quoi le sujet qui s'exprime dans l'énorme vague avortée, retombée après, c'est vrai, mais qui est intéressante en tant que telle et qui est l'énorme vague des mouvements Occupy au même moment, début des années 2010. C'est quoi le sujet des mouvements sociaux en Amérique latine? C'est quoi cette qualité des sujets qui me semble ne plus être réductible à ce qu'on appelait dans la grande tradition marxienne les sujets de classe, mais qui n'est pas non plus seulement ou exclusivement un sujet identitaire, mais qui n'est pas non plus seulement ou exclusivement un sujet de genre, mais qui propose des sortes de compositions complexes de sujets. Et puis le dernier thème, c'est la vérité. Et quand tu dis « il y a une histoire de la vérité, je suis fascinée par la vérité », aujourd'hui en France, je ne sais pas en Argentine, mais aujourd'hui en France, on assiste à un extraordinaire retour de la vérité comme postulat absolu et métaphysique. Il y a la vérité, et cette vérité, elle est déterminée, et si on la perd, on perd toute l'entreprise de la philosophie, et on perd en réalité toute l'entreprise de la production scientifique, de la philosophie comme science.
Moi, je pense que Foucault a tenté autre chose. Alors, en France, on a des gens qui disent Foucault, c'est du relativisme. Et la question, elle est au contraire de se dire comment est-ce qu'on peut maintenir de l'intérieur même de la philosophie cette chose à laquelle les gens qui travaillent en sciences sociales sont pourtant habitués, et que la vérité, elle est toujours construction sociale, historique et politique à un moment donné. Et que si on perd ça, on perd la mise en situation de notre propre enquête. Seguramente estos son los nuevos desafíos que iremos encontrando en los próximos años, ¿no? La producción foucaultiana nos sigue ofreciendo herramientas y herramientas muy valiosas para seguir pensando juntos, aun cuando aparezcan nuevos objetos, nuevas transformaciones que exijan de nuestra parte la creación de nuevos conceptos y de nuevas herramientas. Yo quiero agradecerte mucho esta posibilidad de seguir pensando juntos y espero que se prolongue por muchos años. J'espère aussi, très longtemps. Gracias. Merci.